C'est parti, nouvelle vidéo qui démarre, nouvelle vidéo ce matin. Là, on commence directement par la micronutrition. Du coup, là, j'ai mon petit cocktail en ce moment. C'est du fruit, du légume en fait, et des antihépatiques dedans. Je fais ça avec du citron et de la glutamine. Du coup, je bois ça le matin, à jeun, avec du coup en micronutrition. Là, j'ai mis à côté du tryptophane, du GABA. Et là, j'ai rajouté tous les compléments My Muscle. Donc, pareil, en micronutrition. Vitamine C, hop là, on en met 2 pour faire 1 gramme, je me suis coupé ce matin, maille D3 K2, 2 gélules aussi, maille Joint Max avec le collagène, pour les articulations et tous les tendons, là par contre j'en prends 4, ça fait quand même une belle dose. On va voir tout ça. Et on attaque du coup le saladier cake. J'essaie de vous filmer un petit peu ce matin le saladier cake, comme vous avez tout le temps la recette. Du coup, on démarre avec les blancs d'œufs. Blancs d'œufs liquides, là, les Roa, c'est parfait. Moi, j'ai gagné un temps fou avec ça. Ils sont doublement pasteurisés. On peut les boire en plus. Là, je vais mettre 350. Ouais. Hop là. 350. Je rajoute 2 œufs. Hop là. Avec ça, farine d'avoine, moi je prends chocolat. Là, je dois mettre en tout 120 grammes en fait d'avoine. Là, je vais mettre 90 d'ampoule dans le chocolat. Et je mets le reste en fait en avoine entier. Parce que ça se tient. Après, ça se tient mieux en fait. Une fois que c'est cuit, jusqu'à 120, voilà. Un petit peu d'eau, à mixer le tout. Ouais, avant je le faisais, comment dirais-je, au fouet. Et c'est fini ce temps-là. Je suis passé à la machine Nutribullette. Je me suis mis à la mode. Le bruit le matin est juste insupportable. Hop, du coup je verse ça. Ouais, le Nutribullette il réveille. Hein. Wouah. Comme en ce moment c'est possible, je vais couper des pommes. Enfin, une pomme. Je me mets ça dedans. Hop là. Micro-ondes. 7 minutes. Et on attend le résultat. C'est l'heure du verdict. Alors, on va voir ça. Bon, ça n'a pas l'air d'être un des plus réussis que j'ai fait. Bon, ça n'a pas de gueule comme ça. Faut le démouler. Une assiette, évidemment. Vous voyez qu'on met tout en place à cuire aussi à côté pour la journée. Faut juste bien que je démoule là, si je me nique. Ah là là, ça a l'air d'accrocher un peu. Il commence à être trop vieux mon moule. Voilà. El famoso saladier cake. Du coup moi je le découpe là, juste un petit peu. Je le mets au frais dehors pour qu'il refroidisse. Et puis, basta quoi. Buon appetito. Allez mec, c'est parti maintenant. Direction la salle. Gros entraînement aujourd'hui. On va faire pec, biceps. Et je vais essayer de vous présenter un petit peu les gens à la salle, les personnages ou les gens qui du coup interagissent un peu dans ma préparation, mon quotidien. C'est parti. Let's go. C'est parti du coup. Arrivé à la salle. Je vous emmène à New York.
samedi matin, on va voir s'il y a du monde. C'est des courageux. Merci. Bien, tranquille. Quand on est un peu plus tôt, on a prévu, on va manger avant le training. Mais bon, ça va être. On va se préparer quoi d'ici 45 minutes après, mais on va manger maintenant pour prendre des forces et de l'énergie. C'est parti. Là, on a quoi? Simple, riz, poulet, petite cuillère d'huile d'olive. Et c'est parti. Voilà, du coup, je présente Cédric qui est passé tout à l'heure un peu en feuge pour aller promener le chien, le patron de la salle. Voilà, qui m'accueille ici, qui me soutient aussi dans la prépa. Mon ami. Voilà, on fait pas mal de trucs. Là, il m'a dit qu'en plus, aujourd'hui, il y avait une petite surprise. Là. Il a fait faire des tableaux. J'ai fait des tableaux pour Théo, qui sont pas des caricatures. Il y en a un qui est un mélange de Théo avec un comics. Et puis, on a fait un autre tableau par un artiste lyonnais, qui est sa meilleure pose Unstoppable. Donc vous verrez ça tout à l'heure, il vous l'a fait découvrir. Ouais, c'était les petits cadeaux. C'est un petit cadeau pour fin de saison, parce qu'il a fait une belle saison, et on est fiers de lui. Oh, voilà, merci. Ah, c'est là, il faut que je change de sac. Ouais, change de sac, ouais, mon gars. Vieux Gold Gym à l'ancienne. Avec tes trucs. C'est incroyable. Eh, tu sais quoi, parce que j'ai eu le Covid, donc je sens rien encore. Ça fait déjà 3 semaines, à mon avis. À mon avis, non, ça pue la mort. Ça, si. Ah, ça, qui, oui. Ça, je vais mettre pas ça. C'est quoi ça? Ah, si. Non, non, c'est. Ah, non, non. Ah, c'est quoi? Ouais. Parce que j'ai un sac d'un ancien sponsor. Il va falloir arrêter les bêtises, tu vois. Ouais. Enfin, bon, bref. Mais du coup, il faut quand même qu'on s'y mette là. Ouais. Quoi, en training, BCA, là je mets quoi, 15 grammes, 15 grammes de BCA, en plus celle-ci dedans, il y a les électrolytes en fait dans les My Muscle, donc pour l'hydratation c'est parfait, ça permet de rester bien hydraté, parce que sinon des fois je mets du sel l'été, quand il fait un peu plus chaud, je rajoute une petite pointe de sel dedans, mais là on a tous les, on a tout ce qu'il faut, tous les minéraux qui vous permettent de bien faire tout ça. Je remplis ça, on part s'échauffer, let's go. Toujours bien s'échauffer quand même un peu. Ça vous permet de gagner de la mobilité là dans tous vos mouvements, du coup allez mieux recruter les muscles. Et en plus de ça vous aurez aussi plus de force, donc on s'échauffe et puis ça évite les blessures tout simplement. Quel principe. Là on chauffe tranquille au pec deck en fait, c'est juste histoire de bien échauffer, amener du sang vraiment dans les pecs un maximum, bien sentir les contractions sans utiliser les épaules et les bras. C'est en fait c'est une espèce de pré-fatigue. Moi je vais arriver avec les pecs un peu congestionnés sur les prochains exercices, du coup j'ai vraiment beaucoup plus dessus. On va dire bonjour. C'est que là hein. Le v'là, le gros cochon là. Le retour. Hein. On va le remettre en forme un peu ici là. Ah ouais, ouais. Déjà on a fait une séance de cuisse quoi il y a 2 jours. Ouais c'est ça. Ça va mieux ou... Ouais ça va, je peux... Oh putain, il y a un ascenseur tu vois pour rentrer. Parce que... Il m'a envoyé un message, il m'a dit ce matin je travaillais sur l'ordi assis, j'ai dû me lever, j'avais trop mal. il est pas au bout de ses surprises ici. Ouais. Walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me. I walk alone, I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps, and I'm the only one, and I walk alone.
Tu vas avoir chaud. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind. On the borderline of the edge and where I walk alone. Read between the lines, what's fucked up and everything's alright. Check my vital signs to know I'm still alive and I'm walking alone. Véronique et Davina. On va découvrir les trucs. Ouais. Bon.
Voilà. Voilà, comme prévu. Ça, c'est Théo en comics. Là, c'est l'année prochaine. On l'a fait en Hulk. Ouais, c'est quand il aura fait une belle prise de masse. Tapé un peu trop de trapèze. Donc voilà, je lui offre. Ah, le cadre, il est cool. Ouais, le cadre est sympa. Et ça, c'est la fameuse pose de Théo. C'est Unstoppable, c'est sa plus belle pose. Donc ça, ça a été fait au feutre par le gars. C'est la photo Instagram, ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la photo Insta. Cool. Voilà, c'est ça, c'est pour le gros. Si bien. Voilà. Ah, je sais pas, on se fait pas de bisous, parce que c'est Covid, c'est pas Covid. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire, parce que j'ai envie de les garder aussi. Après, il me disait, ouais, peut-être les faire gagner ou quoi que ce soit. Peut-être, Donc je sais pas trop. Déjà, je pense que là, je vais le numériser, parce que si jamais on sort des t-shirts ou un truc comme ça, ça peut être sympa. Donc, à voir, on fera gagner quelque chose. Comme j'essaie toujours de vous faire gagner des petits trucs, on en fera peut-être bientôt aussi pour faire gagner des produits My Muscle. Bah, du coup, 20 minutes après la séance, là, j'ai mangé, du coup. Je tout prépare avant, comme ça, je mange ici. Ça m'évite des fois de traîner et de me dire, putain, ça fait une heure et demie que je n'aurais dû manger. Bah, du coup, on a saumon asperge et avec... Des cornflakes. C'est des cornflakes bio, en fait, nature de maïs. Mais c'est pour changer un petit peu les sources d'hydrates dans cette période de détox. Que ça change les sources d'hydrates, ça fait du bien. Et puis, c'est vrai, ça fait du bien, c'est vraiment. Ouf. Ah, je monte ma réserve. Ouais, normalement, je faut que j'aille au tri, là. Là, je constitue un radeau. Ça, c'est toutes les bouteilles à boire, parce que comme j'arrête pas de boire, parce que bon, j'essaye de boire minimum 4-5 litres par jour, minimum 5 litres. Alors forcément, je les mets derrière, mais je vais pas tout le temps les jeter. Là, je crois que je vais blinder la caisse. Enfin bon, training terminé, voilà, pour aujourd'hui. En ce moment, c'est les entraînements. Je m'entraîne un jour sur deux, en fait, je l'avais expliqué dans les dernières vidéos. Donc voilà, pour ne pas apporter trop de stress musculaire. Et entre chaque jour de séance, on va dire, je fais du cardio, assouplissement, voilà, travailler un petit peu la mobilité. Et pour l'instant, on continue comme ça. On va reprendre très prochainement après les fêtes, un peu plus dur. Mais voilà, on mixe deux groupes musculaires par séance. Et puis pour le moment, ça va très bien comme ça. Maintenant, c'est direction la maison. On va aller travailler sur les coachings, aller bien manger. Et profiter un petit peu de se détendre comme c'est le week-end. Allez, go. Et j'oubliais. N'oubliez pas non plus. L'important, c'est l'essentiel. Allez, ciao.